sais même pas si c'est en live ou pas. Si ça marche normalement. Attends, j'en ai pas, ça marche bien. Ils disent parfait et tout. Parfait, yo. Parfait, parfait. Le son est bien et tout. Oh, vous kiffez ou pas? C'est bien ou pas? C'est stylé en vrai. C'est bien. Je peux faire un encadrage dans la vraie vie. Ah non. Attends, attends. Non. Attends, attends, j'en profite. Vas-y, vas-y. C'est mon premier en live. Les gars, vous voyez pas, mais il a un pied et tout. Waouh, waouh. Alors attendez, on découvre en même temps, c'est tout nouveau pour nous. Je dois vlogger comme ça. Oui, mais tu peux pas là. Mais oui. Faut que je te cadre. Il faut que tu Mais il faut que j'aille me chercher à boire. Lave ton objectif. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il est dégueulasse. Oh, il y a notre coach qui arrive. Ça va les gars? Bon. Ça a l'air pas dans une position naturelle. Ça a l'air vraiment pas naturel du tout. Oh bah, je me suis levé comme ça ce matin, j'ai dit je reste comme ça. Ah ouais, t'as une scoliose là. Allez viens, venez, on commence. Les gens ils sont là pour voir des coups. Arnaud, je te cadre. Voilà, c'est bon, parfait. Attends, attends, mais vraiment c'est. Attention, mets ton doigt, ton dos bien droit. Pas ton doigt, pardon. Je l'avais pas fait un petit lapsus. Attends, il faut qu'on leur dise les séances qu'on fait et tout, qu'on leur explique. Oui, oui, moi je proposais, est-ce que t'es chaud de faire une séance pec triceps? Non, moi je veux faire ma séance de d'habitude, dis oui. C'est quoi ta séance de d'habitude? En gros. Ah non, mais toi tu fais du car. Mais non, viens, on fait deux séances différentes. Quoi? Bon, on va mixer ça. Viens, tu fais ta séance, je fais la mienne et juste on se cadre, on alterne entre les exos. C'est bien ça. Moi je fais juste du rameur. Vas-y Arnaud, je te cadre, je te cadre. Arnaud, vas-y. C'est vrai, regarde. Hop, 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 hop. Ah mec, mais on me voit, c'est ridicule, on me voit dans le miroir. Voilà, voilà. Montre-leur, ils vont voir la gerbe. Ils vont voir la gerbe, c'est sûr. Mais moi j'ai la gerbe, ça me stresse. Ok, je vous fais un check-up. On est à 500, c'est tout. Regardez, c'est juste ici. On est à 300 mètres. Plus que 200 mètres, Arnaud, let's go. Vas-y, après je fais skieur moi. Skieur 500 mètres, ça va, je vais crever, je crois. Je sais que dans l'ordre, c'est tapis, c'est ok, c'est facile. Rameur, c'est déjà un peu plus chiant. Et skieur, le peu de fois où Yann il me faisait faire du skieur, j'étais mort. Arnaud, il y a des gens qui t'encouragent. Let's go. 100 mètres, 100 mètres. Et c'est bon. Let's go. C'est bon, c'est bon. Arrêtez, arrêtez. Ça va bien? C'est bon? Oui, c'est bon. Tu dis si ça te gêne? Non, ça me gêne pas. Ça te gêne pas? Okay, non, c'est bon. C'est bon? Merci, c'est parfait. Ouais, c'est mec, c'est trop bien de pouvoir lève comme ça. C'est trop, ça sauce trop, genre. Arnaud, est-ce que tu peux me cadrer pour mon skiage? Vas-y, maintiens le bassin. Ah, j'ai besoin d'aide, je crois. Oh là là. Tu vois ça, les gars, les coachs, des fois, c'est grave utile pour se surpasser. Et là, dans ces moments-là, je me sens comme pousser des ailes. J'ai l'impression que je pourrais décoller, là. Tu pourrais soulever des montagnes. Le mouvement est impeccable. Attends, j'ai fait 250 mètres déjà. Non, non, faut faire ça. Fais 500, fais 500. Je pense que c'est bien, c'est ok, là. Là, tu fais quoi après? C'est quoi ton programme? Ambiance hétéro curieux. Non, d'accord, c'est quoi, les gars? C'est juste du coaching, les gars. Ouais, c'est ambiance coaching, quoi. Putain, si vous avez eu toutes mes séances de coaching avec Yann pendant un an, là. Fais voir les bras un peu, là, les bibis. Arrête. Monte. Voilà. Oh là 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 là, faut que je me tienne quelque part. Là du coup après mon rameur, moi je fais les tractions. Tractions? Et en général je commence par une série 15 et après je fais autant que je peux, parfois je tire pas jusqu'au bout. Parce qu'avant je faisais traction avec élastique, ça fait pas longtemps que j'ai mis. Vas-y, vas-y. Je l'ai fait sans. Ok. Oh, les gros avant-bras qui ressortent là, let's go. Bon, on rappelle, on n'est pas des professionnels de la musculation. Donc si jamais il y a des gens muscu dans le chat qui disent oui, mais les tractions, il faut les faire en supination et puis ils gagnent un peu plus ton ventre. On le fait au mieux, d'accord? Ah, la dernière. Je les ai fait. Non, je l'ai pas fait. J'ai fait, je jure. Ah oui, sachant que j'ai pas précisé, mais je me suis blessé au poignet. Du coup, je sais pas si je vais monter dans mes charges comment. J'ai envie d'être là-bas. Comment ça? Bref. Ok. Et là, c'est okay. Tout, tu fais ça et tu fais quoi après? Bah, après, je suis censé enchaîner, genre mes 10 kilos de chaque et ainsi de suite. C'est juste que là, bah, normalement, en fait, j'en fais 20 vides et ensuite j'enchaîne. Mais je me dis que là, toi, tu veux peut-être refaire ta série ou tu veux encore récup? Là, je vais essayer de faire 12. Et en gros, après, je fais dégressif, quoi. Mais tu dois être mort, mec. Enfin, genre, enchaîner aussi vite des tractions. Ah. Allez, on lâche pas. J'ai fait une séance hier, je la sens quand même. T'as fait quoi comme ça? Ah bah oui, t'as fait full body. J'ai fait la même séance. Ah ouais, bah ouais. Moi par contre, y'a moyen que j'ai besoin de plus de récup que toi à terme. Moi, là, ça va. Après, je vais faire élastique, attends, je vais me placer d'élastique. Vas-y. Tu sais, l'un cas pour un trentenaire, ils se portent bien, ils veulent quoi ces fils de pute là? Bah c'est gentil, c'est gentil. Y'a des gens qui disent que c'est jeune 30 ans, Arnaud, dans le chat. Bien sûr que c'est jeune. Le 6 giga smile qu'il a tapé. Arrête de sourire. Allez, c'est parti, on encourage. L'un cas. Arnaud, tu fais du sport devant actuellement plus de 7000 personnes. Il est lancé. T'es censé en faire combien là? 15 en vrai, c'est bien. Mais bon, ouais. Là, ça vient, je la sens. 15, c'est hardcore en termes de traction déjà. T'es bloqué. T'es à 60 kilos là. C'est la première fois que je teste aussi gros avec mon poignet. Vas-y, mollo, si tu sens que ça fait mal là. T'as l'air ok pour le moment. C'est le pire plan. En plus, j'ai l'impression que mon téléphone va tomber du coup. Alors que le sportif donne tout, il se pousse dans ses retranchements et valide ses reps. Les tractions, je pense, c'est un des pires trucs en vrai. Ah, ouais, c'est trop bien filmé, les gars. Qu'est-ce que ça fait? Oula, grosse séance. J'ai l'impression que je suis descendu, j'ai pris l'ascenseur. Ouais. T'as pris l'ascenseur? Ouais. T'as quoi dans les. C'est quoi ça? Dans les mains? Je me suis pris un petit goûter, genre. Mais là, je suis mort! Ok, putain. Oh, un petit goûter? C'est un petit goûter, c'est il a à faire un kilo ni, quoi. J'ai pris un sundae parce que j'avais trop envie, il fait chaud là. Un sundae là-dedans? Ah, j'avais chaud parce que je suis descendu. Ouf, vite fait! Ouvre le paquet! Il pleut et tout là. Bah, j'ai pris un wrap bœuf, j'ai pris des nuggets par 6. Bah, y'a beaucoup plus qu'avec un sundae, quoi, pour finir. Ouais, mais après, c'est tranquille, c'est pas une petite commande. Ok, ok. Parce que là, ça... oh
Let's go. Bien shape, bien sport quoi. Ouais, mais là avant, il faut que je fasse un truc, je sens pour éliminer un peu là. Ouais. Ah, ok. Je m'attendais à. Oh, ok. Ah, si, c'est une technique, j'ai vu, c'est une technique mérovingienne. Il m'avait dit ça. Ah ouais? Ouais, c'était tard l'époque, tu faisais ça pour éliminer les McDo. Ouais. Mais attends, mais là, il s'est fumé de ouf par contre. Mec, en vrai, va prendre une petite pause, va bouffer un truc, je pense. Là, niveau glycémie et tout, tu dois être dans la merde. Je voulais continuer, mais. Vas-y, ça non, t'inquiète. Niveau alimentation, tu tiens toujours et tout? Ouais, bah là, en fait, ça fait 80% du truc l'alimentation. Donc moi, t'as vu, j'ai un cheat meal. En 6 jours, je fais cheat meal. Ouais. Et un jour, je fais full vegetables. Ok. C'est un programme américain. C'est pas normalement, c'est un cheat meal par contre. Normalement, c'est un cheat meal, c'est pas. Ouais, mais là, c'est un reverse. Reverse cheat. Okay. Ah, le reverse cheat. C'est le one month vegetables one day challenge. Ok. Non, c'est un truc de ouf, en vrai. Ah ouais. Mais je vous enverrai. Ok. Ça marche. Là, on est samedi, c'est ton 6ème. Demain, tu manges des. Demain, je mange des vegetables. Ok. Et ouais. Niveau santé, tu te sens bien, genre, quand tu vas aux toilettes, ça se passe comment? Bah, en vrai, j'ai un peu, tu sais, je suffoque encore un peu. Ok. Mais c'est passé avec les mois. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Bah, ça fait 3 mois. Ok, ça fait combien de temps que tu arrives, tu suffoques? Ça fait 2 mois. Ok. Mais c'est le pollen. C'est le pollen. Ouais. Il y a plus de pollen là. Je sais pas, des fois il y en a, je crois. Ah ok. Mais je me pose pas trop la question, moi. Vas-y. Le sport, c'est la santé. Vas-y. Tu devrais y aller mollo quand même. Comment ça mollo? Ménage-toi un peu, tu vois. Faut que j'y aille mollo. Non mais en gros, vas-y. Vas-y, viens mollo. Viens. Les gars, je passe après, mais là, je me suis blessé une tendinite. Ah tranquille, bon courage. Alors Arnaud, pour cette série, je vais avoir besoin que tu me pars au cas où. D'accord. Du coup, alors attends, j'ai une idée. Je teste un truc, hein. Je vais sous tes couilles, quoi. Imagine avec moi en dessous. Ok. Et au pire, j'aurai le temps de m'extirper. Du coup, je mets vraiment mes couilles au-dessus de ta tête. Enfin, que si ça part en couille, quoi. Oui, voilà. Tu le sens pas pour le poignet? Vas-y, on va tester. Tais en une, et si tu veux que ça force, t'arrêtes. Ça va. Ça t'arrête. On pose. Allez, je t'aide. Oh wow. C'est vraiment lourd, hein. Même à deux, je sens le poids. Ouais. Genre, vraiment, c'est vraiment lourd. 80, c'est. 80, en vrai, c'est pas. Je le bouge même pas la barre, hein, 80 kilos. Je fais des reps de 6, et après, je monte vers 90. Enfin, à l'époque, je faisais des reps de 6, en tout cas. Mais mec. Ouais, genre, 6 fois comme ça. Je faisais une pause, je reprenais et tout. Et là, dernièrement, la vidéo que j'avais fait avec Yann, où je dévoile la salle de sport, il m'avait fumé. Du coup, je crois que j'en fais genre 3 dans la vidéo. Mais normalement, j'en faisais par 6. Et après, je passais à 90, puis 100 kilos. C'était mon max, j'en faisais une. Ok. Une fois. 100 kilos à pousser, genre. Mais tu faisais pas de rep. Là, c'était vraiment juste une. C'est genre mon max, c'est genre, en gros, il me dit allez, motive, je dois juste en passer une et après je repose là-bas. Et je l'ai en vidéo et j'ai douillé ma mère. Et comme j'ai arrêté le sport un peu derrière, sans j'ai jamais réessayé, mais la dernière fois avec Yann, alors qu'il m'avait enculé sur la séance, j'ai fait 90. Moi, jamais de la vie, je fais ça. Peut-être ça passe, mais faut juste que je me chauffe. Là, je suis pas chaud là. C'est ce que j'avais dit hier, j'aimerais trop faire une séance où je fais mon max. Genre, j'essaye de faire mes max sur chaque truc pour voir comment je m'améliore au fil du temps et tout, tu vois. Ah, et je fais un truc avec ça aussi. Les kettlebells. Tu sais, genre, je me mets comme un tout droit et je fais du soulevé de terre. Tu fais comment? Comme ça. Ok. Et comme ça. Toi, tu fais bien. Ouh, il fait ça trop bien, les gars. Non, pas du tout. Non, c'est. Je m'intéresse. De quoi? Bah non. Ah, tu fais quoi, gros? J'avais l'impression que vous étiez en train de regarder mon cul tous les deux. N'importe quoi, gros. Mais toi, il est toujours dans la paranoïa, Arnaud, t'as remarqué? Regardez pas ton cul. Mais arrête, fais ta séance. Allez, Arnaud, concentre-toi là. Allez, on est reparti. Allez, hop. J'en ai fait combien? J'en ai fait 3 durement, 3 difficilement. J'ai trop envie d'essayer, mais je vais vous blesser. Je vais me blesser. Moi, j'arrive pas. Je vais essayer juste de soulever, mais je pense que je vais me blesser. Je pense que tu soulèves, non? Ah, mais combien? Il y a 60-80? 80. Je crois que c'est mon max, une rep. Ok. Vas-y, essaye. À froid, surtout refaites ça chez vous. Surtout refaites. J'avoue que. À froid avec une tendinite. Essayez chez vous. Ah, t'as vraiment une tendinite? Ouais, essayez chez vous. Ça me fait rire. Les deux, ils font des reps à 80, ils sont blessés. Les débiles. Moi, je pense que je peux la passer. Allez, vas-y, montre-nous. T'inquiète, je suis là pour parler si j'arrive. Je peux pas. Ouais. Bon, refaites ça chez vous. Et en fait, je pense que je peux la passer. Ah, quelqu'un toque. Il y a un colis pour toi. C'est un colis pour moi? Ouais. Ok. Oh, je sais ce que c'est mon clavier. J'ai reçu un clavier, il est trop bien. Attends, parce que là on voit plus. Ah oui. Bien vu. Non, il marquait l'adresse, c'est la même que sur Google. C'est la même que sur Google. Arnaud, mais t'es totalement en train de déballer mon colis là. Non, j'adore ouvrir les colis. Oui, mais j'avais remarqué, ouais. Oh, c'est le G915. Oh, c'est lui. On dirait une sponsor, les gars, c'est pas sponsor. Hein. Ah, tu l'as caché, voilà, parfait. Voilà le nouveau clavier de Théo, qui est une marque qu'on connaît. Je pense que les gens reconnus, genre. Je pense que les gens reconnus, gros. Je suis chaud de poursuivre avec des biceps curls. Tu les fais maintenant là? Ouais, je suis chaud. Parce que depuis tout à l'heure, je ne prends rien en fait. Mais pas à la barre, parce que mon poignet, il va pas vouloir. Mais Jordan, il fait une séance en mangeant McDo et il alterne, c'est quoi? Je t'ai dit, c'est le remix vegetable. Inverse. Ok. Du coup, c'est genre en gros, c'est genre tu fais une séance récup de 30 minutes. En fait, t'as une heure de séance par jour, sauf que tu la décomposes en 2 minutes par 2 minutes. 2 minutes d'exo? Ouais. Ok. Et tu prends. En fait, ta rep, c'est. T'as une rep de 2 heures? Ouais, mais après, je suis de ouf. Un mec sur. Je sais plus comment il s'appelle. Mais un gars, il met plein de programmes, mais genre, ça coûtait un peu cher, c'était 50 000 balles. Et j'ai payé. C'est. Je crois vraiment je que. T'as payé? Ouais. Et t'as commencé il y a longtemps? Je t'ai dit, il y a 3 mois. C'est ça, que... les factures impayées là. J'ai vu les comptables, elles disaient, ouais, vous avez pas payé les factures et tout. Ah oui, ouais, mais je vais m'en occuper en vrai. Ok. Ok. Mais il est 1000 balles. Ouais. Mais je vais devenir une machine. Hein. Moi je suis. Ça fait combien 3 mois? Là, il m'a dit la position.
position pour se regarder déjà, c'est ça. Là t'as le dos courbé là. Ouais mais c'est... Ok. On dirait un putain de gorille. Mais c'est... Non, non, il dit pas ça. Non, il dit pas ça. Gorille c'est un terme de fou en muscu. Ça veut dire en gros t'es... Ah bah oui. T'es une machine tu vois. C'est... Deviens un putain de gorille. Ok ok, stylé. 50 000 balles. Putain la pousse c'est quoi. Là tu cambres maintenant. Alors que tout à l'heure c'était comme ça. Oui mais c'est là, faut bien la faire devant le miroir. Devant le miroir. Voilà, là tu l'as là. Ok ok ok. J'ai là. Est-ce que j'ai un pétard solide ou pas? T'as un solide pétard. Là, ouais. Je suis en mode gorille là. Je suis en mode gorille là. Comme ça. Comme ça, genre. Ouais, ouais, c'est... Wouh, let's go, les gars, je suis en mode gorille. Wow. Ok. T'as ouais. Trop lourd. Bref, bah, bref. Wow. Vas-y, fais tes reps, ouais, je pense. En mode gorille, je l'ai fait dans la série ou pas? Je suis pas. En mode gorille? Je suis pas sûr, vraiment, c'est pas obligatoire, oh, genre. Je suis en mode gorille. Allez, vas-y, fais tes. Lourd. Je prends une heure de rep et de récup. Une heure de récup. Une petite heure de récup. Vas-y, vas-y. Oh, le sport là. Bonne récup, Jordan. Merci, merci, Jordan. Oh là là. Il est tellement veineux. Ah oui monsieur. Et lui il se regarde. Regardez ce qu'il voit. Il s'observe. Ça fait vraiment mec il se kiffe. C'est juste pour que je fasse bien le mouvement. Enfin que j'essaie de bien faire. C'est un très beau mouvement. Avec des beaux bras très musclés. Très beau. À toi Arnaud. Bah moi je vais continuer mes petites dips du coup. Parce que là j'ai fait 2 heures de pause. Là pour le moment tu déçois un peu dans le chat. Ils s'attendent à plutôt 4 séries de plus. 4 séries de plus. C'est bien, quel beau gosse. Moi là j'ai envie de tout sauf refaire des fentes. T'en as fait qu'une fois. Oui, il faut que je fasse 4 fois. Allez allez allez. Ça fait plaisir de voir vos commentaires. 31 t'as dit? 32, 33, 34, j'en fais 40 du coup. Quoi? 37, plus? 38, tu mens là? 39, 40, c'est bon en vrai non? Encore, encore, va au bout du couloir. Voilà, voilà. Les grosses cuisses de l'Inca et il va revenir au Big Nine l'année prochaine et il va dire en fait vous pouvez enlever un coéquipier en moins, je vais courir à sa place. Voilà, voilà. Vas-y, vas-y. Petite pause. Ah, j'ai trop mal. Vas-y, vas-y. Arnaud. Quoi? Dans la vie, des fois, il faut avoir l'esprit shonen. Là, il y a le chat qui t'envoie des flammes. Il y a des flammes violettes carrément. Mais là, je suis dans un shonen, mais c'est un shonen après où il a fini son entraînement. Non, 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 non. Du coup, il va se coucher. Arnaud, Arnaud, les gens, ils demandent jusqu'à la salle de sport, tu ramènes les haltères en fente. Regardez, regardez. Il y va pour vous, là. Il y a des émojis flammes partout. Voilà, voilà. Il souffre pour vous, ça fait plaisir. Carrément, il y a les émojis qui campent. Ah. Et allez, allez, bien joué. Et j'ai envie de t'applaudir, mais je peux pas. Faut que j'en refasse après, c'est bon. C'est pas grave. Arnaud ? Oui. Je commence à 45 kilos. C'est là qu'on dirait une pièce un peu pour faire des trucs un peu sadomaso et tout. Ouais, c'est ça. Quoi ? Bah, t'as pas lu le message sur la com ? Non ? Bah, j'ai dit machine de sport. Tu vois quoi? Ok. Et c'est pour ça, en gros, au fond, on va mettre un miroir pour qu'on puisse se voir et tout quoi. Ok, ok. Chelou. Mais c'est ok, hein? Ok, ok. Mais t'es l'air sceptique? Non, pas du tout. Je vais pas rentrer dans la salle. Pourquoi? Rien, tranquille. Et rentre? Non, mais c'est à cause de l'écho. Ah. Regarde, écoute. Oh, oh! Non, là, c'est trop pour le live, ils vont pas aimer. Moi, je pense qu'ils s'en foutent. Hein. Non, mec, ça va les gêner, je pense. Eh, hey, tu t'éloignes là? Non, tranquille, y'a rien. On t'a tué? Non, rien, allez, fais ton truc. Ok. Allez, viens. Oh. Ok, ok. En plus, je vais peut-être avoir besoin de toi. Tu nous fais quoi là, du coup? Ça s'appelle Pec Deck, la machine. En gros, c'est genre le mouvement, c'est ça. Ok, y'a plus de machine. Et là, j'ai mis 45 kilos. Ok. L'idée, ça va être de faire une première rep où en gros, je vais juste faire ça, je vais bloquer le plus possible pendant 20 secondes. Ok. Et ensuite, je vais repartir et je vais faire des petites séries. Oh, ok. Et du coup, les poids, ils sont là. Ouais, c'est ça. Tadam, c'est très intéressant. Donc là, tu bloques. Ouais. Très belle congestion. Ah ouais? Ouais, aucune idée. Je dis des trucs au pif. C'est un peu long, ça va être 20 secondes. 20 secondes où je douille et il faut qu'Arnaud tu meubles. Ikea, Scruz Pulse, Kertefourg, c'est des noms de meubles Ikea. Tu l'avais ou pas? Elle est bonne hein, j'ai meublé avec des meubles Ikea. Bref, là ça fait 1h30 tout. Ça fait 20 et 10 dans le chat. Oh putain. Allez, donne tout, monte-lui là. Monte-lui, elle a mal parlé. Voilà. Elle a tes vidéos, elle pue la merde. Elle parle trop mal la machine. Pire voix que t'aies jamais vu de toute ta vie. Allez voir le dernier TikTok qu'on a fait avec Théo. Ah ouais, vous avez vu le TikTok ou pas? 3 millions de vues en moins de 24 heures. Oh, mais mec, c'est même pas ça, c'est en 12 heures. Et je me dis, mais d'où sortent tes 3 millions de vues en 14 heures si vous l'avez pas vu vous? C'est trop bizarre. Personne n'a vu? Bah vraiment, dans le chat, il y a beaucoup de j'ai pas vu. Il y a des gens qui ont vu, mais il y a vraiment beaucoup de j'ai pas vu. Montre-nous. Bah j'aimerais bien, mais je peux pas trop là. Parce que du coup, c'est. Vu que je filme le cul d'Arnaud, je peux pas là. Et allez, hein, on lâche rien. Ah. Voilà, voilà, crie, crie de douleur, Arnaud. J'ai mal, Théo. Crie. Ah. Il boite, carrément il titube. Arnaud, t'es ressenti à chaud sur les exercices que tu fais? Les fentes, vos mères, les... Voilà, voilà, dis bien. Voilà mon ressenti, là j'ai dit là. Regarde maintenant, on voit mieux, monte là mes chaussettes. Ah oui, les chaussettes, regardez, regardez. Oh, pas longtemps. Wow. Oh là là, on va pas leur montrer longtemps. Ça pue. Regarde la météo, mais... on va être bien pour mon live hier. On était censé faire un live dehors. Bon bah, on voit pas trop, mais il pleut. Après, on peut mixer et faire un live. Comment on pourrait faire? On fait un live juste posé où on papote dans l'espace détente du loot. On peut, hein. Et on répond aux questions des gens. Vas-y, je suis chaud. On va en faire 3. Allez, là t'es sur du 20. Va en une déjà, c'est beau. Une déjà. Déjà, c'est bien. Allez. Pas mal. Encore une. T'en passes une autre? C'est dur? Mes tractions, je sais. Fais-moi, j'ai envie d'en tester une, mais j'ai peur de me fumer pour l'exercice non. Après. Mais en fait, non, mais attends, c'est les pires. Viens, j'essaie d'en faire une complète. Là, je suis comme mes tractions, elles font ça. Je passe là à peine d'abord. Vas-y, essaye de faire une vraie. Une vraie de vraie avec menton dessus d'abord. Vas-y. Petit flop.
C'est trop chargé. Putain, c'est ouf, mec. En temps normal, j'en fais vraiment genre 6-8 normal. Genre. What the fuck. Après, on est en fin de séance, mais. Après, faut que tu reprennes petit à petit, c'est normal aussi. Hein. Oui, en vrai, on fait une belle séance là. Je sais pas ce qu'ils en pensent, le chat. Vous êtes agréablement surpris ou surpris dans le mauvais sens. Je regarde ce qu'ils disent. Alors, à chier, GG, surpris, dans le bon sens, GG. GG. Bon, ça va. Globalement, les gens sont quand même en mode GG. Je vais essayer de faire mes petites séances et dans un mois, je vous refais une séance sport et là, ça sera mes vrais perfs. C'est laquelle ma bouteille? T'as mis de l'eau fraîche dans la tienne? Ouais. C'est la tienne là-bas. Putain, t'es sûr, t'as mis ta grosse langue dessus et tout là. Après, on s'est déjà roulé des pelles donc les chiens de bouteilles, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Je suis persuadé que sur tous les gens qui nous regardent, on va avoir réussi à en motiver quelques-uns à faire du sport. Oh bah oui, c'est sûr. Après, les gens ils vont dire oui, y a trop de jeunes à la salle, c'est à cause de Inox, Linka et Mastu qui ont ramené les gamins à la salle. Mec, tous les kékés muscu sur Twitter, j'ai envie de les frapper. Genre, tous les jours, il y a quelqu'un qui tweet pour dire c'est bon, les jeunes qui font du sport à cause de Mastu. Je suis en mode, mais les gars, ils ont le droit de faire du sport comme tout le monde, non, mec. Puis même si c'est grâce à toi, juste tant mieux en fait. Oui, non mais et puis ouais. En mode, enfin bref, ça me saoule, j'ai envie de les frapper à chaque fois. Il y en a tellement sur Twitter. Quel exo pour les triceps? Le mieux du mieux, c'est être allongé sur le banc comme ça et genre montre-leur le mouvement. Ah bah tu fais l'exercice triceps pour la montrer? Ouais. Ok, voilà, bah comme ça tu vas voir. Mais ce qui va te montrer, c'est le meilleur exercice triceps de la terre entière. Quand je le fais moi perso, j'ai mal aux triceps pendant 3 jours. Genre vraiment, ça marche bien. Après, je me dis que là, si t'as pas une salle de sport, en vrai, tu peux pas trop faire ça. Ou alors faut que tu le fasses de même manière. Ça, il faut un banc. Ça, t'es obligé en vrai de faire avec un banc parce que si tu t'allonges sur un truc pas dur, c'est de la merde en vrai. En gros, tu te mets comme ça. Tu te mets comme ça et tu passes derrière la tête. Ouais, voilà, comme ça. Tu viens faire ça. Derrière et tu montes en serrant tes coudes le plus possible. Ouais, voilà, c'est ça, c'est d'essayer de bouger le moins possible les coudes et de les serrer le plus possible. Voilà, ça c'est le mouvement. Et là pour les triceps, bah, tu le vois, de toute façon, regarde sur son bras, ça cible de ouf, ça marche vraiment vraiment bien. Les gens qui parlent d'alimentation, t'as une alimentation particulière toi Théo en vrai ou pas du tout? Là en ce moment? Ouais. Absolument rien. Et quand t'étais à ton prime? Quand j'étais à mon prime, la vérité, c'est que je mangeais beaucoup plus souvent 2 repas par jour que 3. Voilà. Bah, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Non, en vrai, le mieux c'est de manger 3 repas par jour, voire même plus si tu veux un peu plus s'étaler et tout. Forcément, si tu veux prendre de la masse en gros, en tout cas, c'est le mieux. Et manger équilibré, c'est limiter les cheat meals le plus possible et tout ça. Le truc c'est que moi de base quand je mange un repas par jour je galérais. Donc genre le matin c'est vraiment en mode je mange le matin et j'ai envie de vomir toute la matinée. Du coup bon bah ouais, pas ouf quoi. Du coup des fois j'allais faire mes séances sans manger le matin. Je mangeais le midi, je mangeais le soir et parfois vers minuit genre quand je dormais pas j'avais trop faim. Du coup j'allais remanger à minuit. Donc en fait des fois je faisais 3 repas mais un peu en décalé. Ou des fois je faisais que 2 repas. Par contre presque pas une goutte d'alcool. Bon, j'ai jamais fumé de ma vie et je mangeais vraiment équilibré. Voilà. Moi tous mes repas j'ai une protéine, un légume et un féculent. Genre j'essaie d'équilibrer, de pas mettre beaucoup de féculent et tout. Genre je fais attention quoi. Ah, j'ai mal, je suis rincé. Moi j'arrête là ma séance. Ok, je termine ici. Et je vais faire de même. Du coup, on part sur une visite du Lot. Déjà, viens là, mon studio, c'est le plus important. Parce que c'est l'endroit le plus beau du Lot. Je suis pas de cet avis. C'est le plus beau de tous. Mm-mm. Là, c'est beau aussi. Bah là, c'est trop beau, ouais. Regardez comme tout est bien rangé. On se croirait dans une pub. Mais mec, c'est vraiment lourd. Hein. Des fois, tu sais que quand il y a le coucher de soleil, en gros, il tape tout là, les gars. Et des fois, quand je suis posé et que je me balade, genre vers, je sais pas moi, 18-19h et je vois le coucher de soleil et que tout est clean comme ça, je me dis, on dirait grave, tu sais, les appartements dans GTA 5 à la fin quand tout est fini là et que t'as le putain de bête d'appart et tout. Moi, à chaque fois que je vois le coucher de soleil là-bas, j'ai l'impression d'être dans. Mais gros, mec. Dans un truc à New York. Mec, viens voir, regarde. Tiens, regarde la vie que ça fait. Genre que tu vois là comment ça donnait quand t'étais comme ça. Regarde, reste comme ça. Je vais m'y mettre et regarde, mec. On dirait pas les trucs genre. Les on dirait un immense truc de. Ben, mec, on dirait un loft américain, ouais, je trouve, ça. Avec une vue de zinzin. Les gars qui ont fini leur vie et qui sont là, genre, oh, tu sais. Putain, c'est quand même stylé, hein. Allez, Arnaud nous montre son studio. Mais ils connaissent déjà, mais regardez comme il est beau. Le studio de Simon juste à gauche. Qui est, je trouve, l'un des plus beaux aussi, hein, studio. Ah, 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 tu caches ta misère. Il y avait l'adresse. Ok, c'est bon là. Ouais, regarde. À chaque fois que j'arrive dans mon petit studio, j'appuie là, je fais tac. Montre-leur mon PC watercool et montre-leur. Vas-y, je leur montre. Qu'est-ce le PC de fou. Ça, qu'il est beau. Oh, le PC de zinzin. Mais je préfère celui que Sam a. Non, arrête. Mec, c'est le même que toi, sauf qu'il y a une petite vidéo dans le PC. Pourquoi mentir comme ça? Je mens pas. Le mien est plus stylé. Chat, dis la vérité. Ah bah, ça, mais dans le chat, ça m'a dit réel pour le PC. Non, il est plus beau mon PC. Quoi? Tu veux qu'on aille comparer maintenant? Ouais. Ok, vas-y, regardez. Il est plus beau. Essayez de retenir le PC d'Arnaud. Magnifique. Il est très beau. Ok, on va sur PC de Sam maintenant. On y va en courant, comme ça on teste le stabilisateur. Ça stabilise bien, Théo. Mec, c'est trop lourd. Attention. Attends, oh, le truc de kéké. Mais c'est exactement la même chose que toi, il y a des lumières partout. Ouais, mais moi j'ai pas mis ces couleurs. Attends, il y a pas encore la vidéo. Le truc de kéké, ça bouge dans tous les sens, on se croit à la fête foraine. Ah, mais il y a pas la vidéo, c'est trop nul. Pourquoi? Je crois qu'il faut que je déverrouille le PC. Tu connais le mot de passe? Non. Ah, Sam, t'as le mot de passe en 2 speed, tu peux me l'envoyer là? Mets-le dans le groupe, mets-le dans la con. pas dans le live, mais genre sur mon tel. Ça marche. OK, regarde. Là, je compte sur la commu One Piece de fou là. Regardez le PC de Sam. Ouais, petit flop. Comment ça petit flop? Il est sobre. Non. Sobre. Bah, il y a autant de lumière que sur le tien et en plus il y a le bonus avec la petite vidéo de Luffy et de One Piece là, regardez, dans le PC directement intégré avec Zoro. Hop, du lâcher, il y a même pas le bon water cooling comme moi avec les beaux tuyaux. De quoi tu parles? Bah, moi j'ai un beau water. De quoi tu parles? J'ai l'eau qui est en ébullition dans mon truc. Insane, incroyable. Wesh, wow, il est magnifique. Le feu, incroyable, arc-en-ciel, il est beaucoup mieux que celui d'Arnaud. Wow. Ça te dégoûte de quoi? Cette communauté de menteurs. Mais c'est pas des menteurs. C'est des menteurs. Ah oui, c'est vrai, c'est des menteurs. Celui d'Arnaud supérieur à celui de Sam, ils ont dit là. Ah, moi je monte pas mon sud, les gars. Genre
C'est genre, pourquoi? Genre, parce qu'il y a un lit, quoi. Ben, tranquille, tranquille, il est en travaux. Comme de nombreuses fois, il est en travaux. Ah, oui, c'est vrai, tu leur as dit que t'allais tout refaire dans ton studio? Ouais, j'en ai marre. Pour repeindre et tout? Ouais. Du coup, là-bas, au lieu du logo de Luffy, on aura le logo Hello Kitty. C'est bien mieux en vrai. En vrai, ça va être lourd, hein. Franchement, ça va être lourd, je pense aussi. Il est vraiment beau ce studio. Ouais, la qualité, elle est stylée quand même. C'est trop bien, genre. Et ben, en tout cas, les gars, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce petit live. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez été très nombreux, en tout cas, à le suivre. Ça fait trop plaisir. Il y a encore des colis là-bas. C'est trop bien. Attendez, j'ai pas lequel ouvrir. Je choisis. Quoi? Les gars, c'est quoi ça? Quelqu'un sait ce que c'est? Un fil d'attache. Bizarre un peu. Ok, les gars, j'ai peut-être pas ouvert le meilleur colis là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui m'a pris pour sa poubelle. Oh, il y a des cartes Pokémon. Quelqu'un saurait me dire s'il y a des cartes rares là-dedans, mais je pense vraiment pas. Hein. On est d'accord que les cartes ont l'air très banales, enfin genre Fampi. Fampi, je. Non. Hein. J'ai peur quand je mets ma main dans ce genre de truc, j'ai toujours l'impression que je vais tomber sur des bails bizarres, genre. Il m'a mis une dosette à café. Et qui? Attends, comment il s'appelle? Il a pas mis son prénom, il sait très bien, hein. Il sait très bien pourquoi. J'étais en train d'ouvrir un colis en live. Qu'est-ce qu'il y a? Fais goûter, tiens. Attends, c'est. C'est quoi? J'ai supposé que c'était des dosettes à café, mais ça se trouve, c'est pas ça, hein! Lâchez dedans!